Je suis étranger à cet assassinat, je suis simplement l'ami de Jacques Santeuil, que l'on présente comme le chef de la bande du Petit Bar. C'est pour cette raison que je suis là. Cet après-midi, Eric Coppolagne, considéré comme le tireur, celui qui le 18 octobre 2010 aurait surgi du coffre-toit d'une voiture pour ouvrir le feu sur Antoine Ivadjeon, s'est présenté comme un père au foyer, aimant faire la cuisine et n'ayant rien à voir avec le banditisme. L'accusation a pour fonction objectif d'abattre ce qui est appelé la bande du Petit Bar, fût-ce en passant par Eric Coppolagne. Eric Coppolagne a des amitiés, il les revendique, il les assume totalement. Certaines remontent à l'enfance. Ce que nous notons du côté de la défense, c'est que malgré les quelques gardes à vue faites par Eric Coppolagne, son casier judiciaire parle pour lui de très maigrichonnes condamnations, dont une pour une infraction routière. C'est dire le parcours criminel d'Eric Coppolagne. L'avocat général rectifie. L'ADN d'Eric Coppolagne a été retrouvé après une première tentative de meurtre contre Antoine Ivadjeon. Mais c'est sur la base essentiellement des déclarations du repenti que s'appuie l'accusation. Ce matin, les avocats d'Eric Coppolagne ont demandé que toutes les déclarations du repenti soient versées au dossier. Ce repenti devrait être entendu comme témoin la semaine prochaine. Sans ces pièces de procédure, sans notamment le versement des pièces qui sont relatives à cette procédure de trafic d'armes dans laquelle notamment Patrick Giovannone a bénéficié du statut de repenti, nous ne pouvons pas bénéficier d'un procès qui réponde aux standards notamment du procès équitable et que nous ne sommes pas à égalité avec le ministère public. Cet après-midi, un commissaire de la police judiciaire a expliqué le mobile de cet assassinat, une opposition entre deux bandes rivales, le clan Orson-Ivadjeon d'un côté, le Petit Bar de l'autre, pour un contrôle de territoire sur la ville d'Ajaccio.